Bonjour à tous, merci beaucoup et vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette vidéo de Google Spreadsheets. Donc, comment analyser les données. Ici, j'ai un tableau, les disciplines et les notes. Je veux faire une analyse des courbes de ces notes-là. Donc, il y a un bouton qui s'appelle Explorer. C'est ici, dans le bas de document, voilà, c'est ici, voilà. Si je clique à l'intérieur du tableau, puis je clique sur ce bouton-là, et je clique, voilà. Donc voilà le résultat que j'ai obtenu immédiatement. Donc par exemple, si je veux les courbes, voilà, les courbes. Si je veux ces courbes-là, ces notes-là, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, insérer un graphique, et immédiatement il est inséré sur la courbe. Bien sûr, je peux changer sa taille. C'est bon. Voilà, je supprime. Une autre méthode très simple, c'est Alt plus Maj plus X. Donc si je clique ici, Alt Maj X, Alt Maj X. Il faut le faire simultanément. Alt Maj X. Ah, et je prends juste, voilà les notes. Donc c'est pas à 3, mais et voilà. Je clique sur mise à jour. Donc P3 jusqu'à P10. J'obtiens immédiatement la moyenne, la somme. Vous n'avez pas besoin de faire du calcul pour avoir ces données-là. C'est immédiat et ça saute aux yeux. C'est très rapide. Si je fais un changement ici, par exemple dans l'onglet, je mets 20. Immédiatement la mise à jour, elle est automatique. Merci beaucoup et à très bientôt.